Félicitations. Pire bookmaker. Je le regardais pas, je le dis putain. On parlera pas de la distance. Hein. Moi je connais pas l'anatomie, mais donc je me dis, je fais confiance, tu m'as dit tache blanche, j'ai tiré tache blanche. Donc, quand on voit, ça oui, ça a dû taper les poumons pour que ce soit. Ouais, elle a un peu perforé les poumons parce que vu qu'il a la mousse qui sort par le nez. Ça, c'est clairement. Pour l'instant, le tir de ma vie. Je suis pas certain d'en faire beaucoup des comme ça dans ma vie, mais. Écoute. Celui-là, il a une saveur particulière parce qu'après. C'est des animaux. Il faut pas prévoir de tirer 10 coups de carabine sur. Sur les animaux comme ça, tu sais très bien que tu vas tirer une balle. Ouais. Avec le modérateur, si tu manques, voire deux, parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. C'est un peu de chance, hein. Mais après, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment assurer le premier tir. Et moi, je préfère, avec mes chasseurs, tirer un peu loin, qu'on ait vraiment le temps de se stabiliser, de se caler, de se reposer. Et s'ils sont en alerte, un peu sur le. Ah non, ça, c'est compliqué. Ça bouge, ça marche. Et c'est à cette distance-là, c'est pas possible. Enfin, même, si t'as, même à 200 mètres, s'ils commencent à courir, trotter, ou... c'est difficile quand même. Puis là, tu vois, on a quand même choisi, on a tiré celui qu'on a choisi, quoi. Ouais. Ça, c'est important aussi de prendre son temps, d'observer les animaux. On les a tous regardés et celui-là, il me paraissait vraiment bien enroulé. Puis écoute, je suis super satisfait parce que c'est vraiment un très très gros mouflon. Ouais, il est très très bon. Je ne pensais pas tirer un mouflon si gros que ça et écoute, je suis ravi, aux anges. T'as mieux, t'as mieux.